Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis à Molsheim dans le centre-ville, rue Saint-Joseph, où je vais vous montrer un peu avant tout le monde une petite maison de ville qui fait à peu près 80 mètres carrés, qui n'a pas de terrain, l'on va avoir en vente à partir de la semaine prochaine. Donc ça va être une bonne petite affaire puisqu'on va avoir la possibilité d'avoir une maison au prix d'un appartement. Et vu qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'offres dans le coin, c'est quand même assez sympathique. Voilà, bah, je vais vous montrer tout ça. Voilà, c'est dans la petite ruelle qu'on voit derrière moi. Je ne sais pas si on arrive à voir, pas évident. Voilà, bah, à tout de suite. Donc voilà, on est rue Saint-Joseph. Alors, je vais vous demander d'être indulgent avec moi, parce que je ne suis pas encore super habitué à filmer les biens, mais voilà, on va essayer de faire ça du mieux possible. Alors, je vous rassure, dès la semaine prochaine, il y aura la visite virtuelle qui sera disponible sur notre site. Donc, si je suis mauvais, ben vous pourrez faire ce que vous voulez directement sur notre site. Alors, on a une entrée qui donne ici sur un grand dégagement. On peut aménager un petit coin bureau parce qu'on est au rez-de-chaussée, donc la partie vie va vraiment être au premier étage. Donc voilà, on a un grand placard de rangement. Ici, je vous passe sur la gauche le côté cave. On va pas voir aujourd'hui. Ensuite, on a un deuxième dégagement qui va nous mener sur une salle de bain. Alors, la salle de bain est en bas. Hop, est-ce que je vais retrouver la lumière? Formidable. Voilà, avec donc des toilettes, une douche qu'on aperçoit à peu près par là-bas, derrière la porte. Et de mon côté, il y a une petite baignoire. Voilà, qui est par là. Bon, c'est maison de ville, hein, c'est une maison des années 1800 à l'origine, donc c'est forcément un peu atypique. Et puis donc, ensuite on va monter à l'étage. Oh là 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 là. J'espère que je vais pas oublier le tournis. Donc on arrive directement sur une sympathique cuisine équipée. Donc là, elle est totalement équipée avec un four, un réfrigérateur, une plaque gaz. On a aussi un lave-vaisselle. Et malgré le fait qu'on n'ait pas de terrain, on a un petit balcon, pas très grand, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un petit extérieur qui est donc là accessible par la cuisine. Dans le prolongement, on a un séjour assez sympathique qui fait 22 mètres carrés. Donc, qui dit maison de ville dit hauteur sous plafond un peu réduite. Alors, de mémoire, je crois qu'on est à 2,20 m ou 2,15 m d'hauteur sous plafond, donc ça reste encore assez acceptable. Et donc, à côté du séjour, on a une chambre. Voilà, ça donne sur la ruelle. Donc, la ruelle est à sens unique, donc c'est plutôt très calme. Et donc, la chambre qui est équipée d'un placard. Ouh. Voilà, et puis on va pouvoir accéder aux combles qui ont été aménagés. Donc ça a été aménagé en 2012. Donc le propriétaire a bien fait les choses. Il a isolé au niveau des combles avec de la laine de verre. Et donc on va avoir un petit dégagement. C'est un peu flou, désolé. Qui va nous mener à la deuxième chambre. Alors, ici c'est bas de plafond. Hein, donc les grands comme moi d'un mètre 90, on oublie, on cherche autre chose. Et donc, on arrive sur une chambre assez sympathique. Voilà, avec les poutres apparentes, deux Velux motorisés, le chauffage central hein, qui vient bien sûr jusqu'ici. Hop, vous voyez un petit radiateur. Et avec une petite pièce d'eau, donc juste avec des toilettes et un petit lavabo. Pour caser une douche, c'était un peu compliqué. Donc, le prochain pourra peut-être essayer de tenter d'aménager cela. Et puis voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On aura toutes les infos sur notre site courant de semaine prochaine. Donc voilà, si vous pensez que ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à nous contacter. Vous aurez la primeur pour les visites. Et puis donc, comme je vous disais, sur notre site, vous aurez tout, visite virtuelle, tous les diagnostics qui sont en train d'être réalisés.
Et puis donc, on sera sur un tarif qui sera inférieur à 200 000 euros, ça c'est sûr. Donc voilà, pour le centre de Molsheim, on sera sur un produit assez sympathique. Voilà, à bientôt, bonne journée.